Alors salut à tous, c'est Trimano et on est sur Ivasound Studio pour une petite vidéo sur Hearthstone. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un bras de fer. Donc le bras de fer, qu'est-ce que c'est? Alors le bras de fer, c'est un mode de jeu différent du mode partie, différent de l'arène. C'est un mode de jeu avec des règles assez spéciales qui changent toutes les semaines. Cette semaine donc, on a le bras de fer, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Donc chaque tour, si vous perdez de plus de 3 points de vie, un serviteur aléatoire se joint à vous. Ce qui veut dire que au début de notre tour, si nous avons plus que 3 points de vie de différence en dessous par rapport à l'adversaire, donc cela nous invoque un monstre aléatoire. Ça peut être n'importe lequel, ça peut être très bien Dr. Boom comme par exemple, un feu follet, c'est vraiment aléatoire. Donc le bras de fer, oui, mode de jeu très fun. La semaine dernière, c'était bataille de portail instable. Donc portail instable sort pour 2 de mana qui vous ajoute un serviteur aléatoire dans la main. Et ce serviteur coûte 3 de mana en moins. Et donc tous les decks avaient une vingaine de portails instables dans leur deck et c'était assez fun. Donc cette semaine, on va jouer un petit deck fun. Donc j'ai déjà essayé, comme vous avez pu le voir, j'ai fait 2 victoires. Alors donc ce deck, c'est un deck guerrier. C'est le deck OTK Worgen. Donc OTK qui signifie One Turn Kill. Donc en gros, c'est de tuer l'adversaire en un tour. Pour ça, le deck est basé autour d'un combo qui peut faire environ dans les 42 dégâts, ce qui est assez puissant. Et donc voilà, donc on va l'utiliser parce que pendant la game, normalement, on ne mettra pas spécialement de dégâts en face et nous on en prendra, ce qui fait qu'on rentabilisera un peu le bras de fer en invoquant des créatures. J'espère. Donc, le deck, l'OTK Worgen, sur quoi il est basé? Il est basé sur 3 types de cartes différents. Donc, le premier type de carte, d'ailleurs, je viens d'en oublier 2 en guerrier, c'est les cartes de contrôle de board. Donc pour ah non, je les ai pas oubliées. Donc pour contrôler le board, qu'est-ce qu'on a? On a 2 exécutions. On a 2 hordes de bouclier. On a les armes, donc les 2 haches de guerre embrasées et morsures de la mort. Et on a la baston. Et le heurtoir à la limite. Oui, le heurtoir, on peut le considérer comme une carte de contrôle de board. Ensuite, nous avons donc les cartes de pioche, très important dans un deck combo, parce que le deck combo, ce qui est important, c'est d'avoir les cartes du combo au moment propice. Donc pour cela, il faut énormément recycler son deck, donc il faut piocher, 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 piocher. Donc pour cela, il nous faut 2 amasseurs de butin. Ensuite, 2 acolytes de la souffrance. Et on va mettre une inventrice gnome. Pour piocher, on a bien évidemment aussi comment ça s'appelle les maîtrises du blocage ainsi que les heurtoirs. Ensuite, il nous reste donc 4 cartes à mettre. Alors les cartes sont donc ah oui, ben non, je l'ai pas en tour 4, suis-je bête? Hop. Worgen. On va mettre donc les 2 Worgen déchaînés. Donc ça, c'est la créature sur laquelle va se baser notre combo. On va mettre un Torii-San. Je vais enlever le filtre. Hop, parce que Torii-San, ça permet de baisser le coût de la combo, ce qui est assez important. Parce que mine de rien, elle monte assez vite en coût, la combo. Donc Worgen plus charge, 6. Les 2 rages intérieurs, on reste à 6. Plus 2 saccagés ou saccagés sous chef cruel. Donc on monte à 10 assez facilement. Ensuite, donc il nous reste 2 cartes à mettre. Donc là, ça dépend. Ce qu'on peut mettre, on peut mettre un deuxième silence. Hop, un deuxième silence. Ce que je vais faire,
Bah tiens, j'avais pas mis le premier d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Donc le silence très important pour les taunts, parce que comme notre combo est basé sur une créature qui attaque deux fois et qui a très peu de points de vie, elle en a trois, s'il y a un taunt, c'est très embêtant parce qu'elle risque de mourir dessus assez facilement. Du coup, on silence le taunt pour le passer et pour tuer l'adversaire. Ensuite, en dernière carte, donc plusieurs choix, soit un deuxième silence. Soit un chasseur de gros gibier, parce que dans ce bras de fer, il y aura beaucoup de démonistes, surtout des Endlock, pour piocher, piocher, piocher avec leur pouvoir héroïque et donc s'infliger des dégâts par la même occasion. Et le Endlock joue avec les 8-8, les golems, donc golems des montagnes, enfin géants des montagnes et géants de lave. Donc le BGH peut être intéressant, BGH Big Game Hunter, donc chasseur de gros gibier. Mais je pense que nous, on va quand même rester sur le deuxième silence. Parce que le deuxième silence est tout aussi fort que le BGH contre Endlock. Vu qu'il a beaucoup de taunts. Donc voilà, la decklist a l'air assez simple, hein. C'est une liste de base et. On peut changer quelques. Il peut y avoir quelques changements en fonction de la méta, on peut mettre un tourbillon à la place, on peut mettre un sous-chef cruel à la place du saccagé, ça dépend beaucoup de ce qu'on a en face en fait. Hop. Et donc, on est parti et on est contre un guerrier, un russe apparemment. Alors donc, avec ce deck, que faut-il garder en main? Il faut garder la pioche. Le Torissan, on peut le garder, mais on préfère quand même avoir un peu de pioche et des armes. Donc là, on a quand même deux cartes mortes pour le moment. Voilà. Ça, c'est un très bon top deck. Amasseur des butins qui joue tour 2. C'est excellent. C'est le meilleur tour 2 qu'on pouvait avoir vu qu'il nous fait piocher. Il peut trade une créature à la limite. Mais voilà, c'est très intéressant. Donc, n'oubliez pas l'important de ce deck, c'est de piocher. Toujours essayer de piocher. Piocher. Excusez-moi. Piocher et contrôle de board. Essayez de ne jamais se faire dépasser au niveau du board. Donc là, on imagine qu'il va à Acolyte. Voilà. Donc Acolyte de la souffrance. Donc lui, je pense qu'il doit jouer Grim Patron. Donc Grim Patron, c'est un deck combo aussi qui est basé sur la carte Client Sinistre et Officier Champ de Guerre et le Berserker Écumant. Donc l'Officier Champ de Guerre qui donne charge à toutes les créatures qui ont moins de 2 da 3 d'attaque ou moins. Le Grim Patron qui se duplique, qui est une 3-3 qui se duplique si quand il prend des dégâts il ne meurt pas. Et donc voilà, ça fait des combos assez fous avec tourbillon, rage intérieure, etc. Enfin, vous allez bien voir s'il le met en pratique. Donc là, on va silence l'acolyte pour éviter qu'il pioche. Parce que là, pour gagner, faut piocher plus que lui pour sortir sa combo avant lui, en fait. Mince. Donc là, il a un deuxième. Ça, c'est pas très cool. Mince, mince, mince. Bon, on va continuer de piocher du coup. Alors là, on n'est pas très content parce qu'on a notre combo en main. La combo, on la veut le plus tard possible. On la veut tour 7, tour 8. On la veut pas tour 3, tour 4. Là, il me faudrait une hache de guerre embrasée pour tuer l'acolyte. Il me faudrait une Deathbite, une morsure de la mort, l'arme aussi pour tuer l'acolyte. Il me faudrait mon acolyte aussi, ça serait bien. Voilà, lui, il a l'âge de guerre embrasé. Du coup, il va prendre deux. Ah non, il va pas prendre deux dégâts du coup. Son trade est assez bizarre. S'il va pas face, je ne comprends pas ce sous-chef cruel. Non, c'est complètement illogique. Non, je comprends pas spécialement son play. Moi, il n'avait pas besoin de sous-chef cruel pour trade ma créature, et son acolyte restait une 1-1. Du coup, il piochait quand même deux cartes avec. Du coup, là, je sais pas, il a peut-être fail. Enfin, non, il a peut-être pas fail.
Je sais pas, c'était assez spécial quand même. Donc là, on va maîtrise du blocage. Et là, il va avoir une créature dans son board à cause du bras de fer. Parce que les points d'armure sont comptés en tant que points de vie. Donc si par exemple, là, il a 28 HP, à partir de 2 d'armure, donc j'aurai 4 points de vie de plus que lui, vu que j'aurai 32 PV. Donc il aura une créature. Hop. Donc là, il va y avoir une créature. Voilà, donc contrôleur mental. C'est pas spécialement dérangeant là pour l'instant, je pioche beaucoup. Prochain tour, je vais pouvoir Torii-san parce que dans ma main, j'ai les deux charges et le saccagé, ce qui est très 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 bon. Je vais pouvoir baisser le coût de ces cartes et en plus, je top deck le Worgen, ce qui est excellent. C'est vraiment un des meilleurs draws. Donc là, j'ai ma combo. Je viens de gagner 1, 2, 3, 4. Je viens de gagner 5 de mana dans ma combo. Ce qui est assez fou quand même. Le Torii-san est vraiment rentable dans ces cas-là. Donc là, il pioche, évidemment. Comme je vous ai dit, son but, c'est de piocher. Piocher encore et toujours. Donc là, je pense qu'il va taper avec son arme. Non. Si. Si pour l'instant là il choisit l'arme pour taper. S'il choisit l'arme. Non, bon tant pis. S'il avait choisi l'arme, normalement je le tuais au prochain tour. Ce qui aurait été assez drôle. Enfin, sauf pour lui, mais bon. Ok, donc là il s'armorera, ce qui est assez embêtant. Qui est assez embêtant. L'armure, c'est très très ennuyant. Enfin, ennuyeux plutôt. Je ne sais plus parler. Hop. Donc là, on va acolyte, puis sortoir pour piocher. Nice. Donc là, comme je vous ai dit, le but de ce deck, c'est piocher. Là, j'ai la combo en main. Lui joue Grim Patron. Donc Grim Patron, comme je vous ai dit, c'est le deck avec le client sinistre qui fait un combo qui peut aller jusqu'à énormément de dégâts, 40 ou 50 points de dégâts assez facilement. Enfin, facilement. Faut être dans le contexte, mais ça fait énormément de dégâts. si vous l'avez déjà vu en action, vous comprenez. Donc là, il va s'armor up, je pense. Donc il aura 35 points de vie, comme moi. Non, donc je peux pas encore le tuer. Donc je vais utiliser mon arme et je vais taper face pour le prochain tour. 32, 35. Si l'armor up, là il va me donner une créature du coup. Si l'armor up ou s'il maîtrise du blocage. Vu que j'aurai plus de 3 points de vie en moins par rapport à lui. Ok, donc la rage du combat. Donc ça c'est très bon pour piocher. J'en joue pas dans mon deck parce que c'est pas spécialement utile dans mon deck. Hop. Donc il armor up pas pour pas me donner la. Pour pas me donner de créature. C'est pas con. Je vais quand même compter les dégâts que j'ai. Donc là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Donc là, j'ai 30 points de dégâts dans la main. Ce qui fait qu'on va aller face. Et comme ça, prochain tour, j'ai potentiellement le létal. Vu que j'aurai 34, et là, s'il n'a pas la maîtrise du blocage, s'il fait pas maîtrise du blocage plus pouvoir héroïque, j'ai gagné la partie. Sauf s'il fait fabricant d'armure. Donc voilà, donc là, il fait Torii-san plus pouvoir héroïque. Donc si j'ai bien compté, j'ai gagné pour l'instant. Pour être sûr de gagner, je voudrais top deck une rage intérieure. Parce que comme ça, la rage intérieure me donne forcément 4 points de dégâts en plus. Vu que le Worgen a la furie des vents. Non, donc là j'ai la Fiery Warax, enfin l'âge de guerre embrasé. Donc alors on recompte. Donc déjà on va recompter par rapport au mana. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, on n'a pas de chance. Il manque un point de mana. Du coup, nous n'avons pas encore le létal. Du coup, ce qu'on va faire. J'hésite à baston parce que là il pourrait me l'étaler prochain tour. Non, non, il peut faire que deux grimes.
Pas 30. Enfin, attendez, je réfléchis. Donc là, il peut faire prochain tour 5, 8, 8 et 5. Je sais plus combien ça fait. 8 et 5, 13, 13 et 5, 18, 18 et 5, il a 22 points de dégâts. 22 plus 2, il a 24 points de dégâts maximum. Voilà. On va jouer. Ah, j'ai été bête. J'aurais dû équiper ma hache de guerre embrasée pour être sûr d'avoir. Ouais, non, je suis sûr d'avoir le létal normalement. Mais on aurait quand même dû l'équiper. Pour être vraiment sûr. Donc, attendez que je recompte. Donc, 3. Enfin, on va dire 4 directement parce qu'il aura la passive. Donc, 4. 4 et 3, 7. 7 et 2, 9. 9 et 2, 11. 11 et 3, 14. 14 et 2, 16. On a 32 points de dégâts. Il a exactement 32 points de vie. C'est magnifique quand même ce qui nous arrive. C'est vraiment magnifique. On a pile le létal. Sauf si je ne sais pas compter. Mais ce qui m'étonnerait quand même un petit peu que je ne sache pas compter. Et ça m'embêterait assez. Donc là, ce qu'on fait, on lui met charge. On lui met charge. On lui met sous-chef cruel. On lui met les deux saccagés. On sait bien compter. Et regardez, 16 fois 2, cela fait 32. Et il avait exactement 32 points de vie. C'est magnifique. Donc tout s'est déroulé selon les plans. On a Torii-san sur le maximum de cartes de la combo. Donc le Worgen, le saccagé. Les deux charges et le sous-chef cruel. On n'a pas eu de rage intérieure, c'est pas de chance. Là, sur rage intérieure, par exemple, au lieu de faire 32 points de dégâts, on faisait 40 points de dégâts. C'est le maximum qu'on puisse faire avec ce combo. C'est 40 points de dégâts, oui. C'est le maximum, hein. Vous ne pourrez pas passer au-dessus. Enfin, vous êtes limité par le mana. Mais normalement, vous ne pouvez pas monter au-dessus. Donc 40 points de dégâts, 4. Là, j'avais 3 de dégâts potentiels en plus avec l'arme, donc j'étais à 43, vous pouvez monter à 44 avec la morsure de la mort. Donc comme je vous ai dit, c'est un deck assez fun parce qu'on n'en voit pas. C'est pas spécialement facile à prendre en main, mais c'est rigolo de tuer l'adversaire en un tour. Comme vous voyez, hein, il était à plus de 30 points de vie et je l'ai tué en une attaque. Donc voilà, c'était Trimano pour le bras de fer de la semaine. Et donc, suivez Ivasun Studio sur YouTube, sur Facebook, sur Steam, sur Twitter, partout où vous voulez, et même plus. Et je vous dis à bientôt.